Voilà, on est en direct. Alors, nous sommes en direct du Salon Zen avec Gilbert. Oui, bonjour. Bonjour Gilbert. Bonjour Gwénoline. Donc, nous sommes sur le stand des formes pour être enfant. C'est ça, le stand voilà. d'Isoris. Et donc, tu vas nous montrer... Cinq formes particulières qu'on appelle les cinq solides de Platon, qui correspondent aux cinq éléments, la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther. Platon, lui, l'associait plutôt à l'univers, Aristote à l'éther, et puis Luc Besson, dans son film Le cinquième élément, l'associe à la vie et à l'amour. Et Luc Besson a raison. D'accord. Voilà. Et donc, on peut utiliser ces cinq formes pour se régénérer, se revitaliser, se soigner, etc. D'accord. Et là, derrière, il y a... C'est quoi les petits... C'est les cinq formes. Et comment tu les utilises? Donc, nous avons cinq formes. D'abord le cube, voilà, qu'on met dans un angle particulier. Donc le cube correspond à l'élément terre et donc à tout le système minéral dans le corps. Ici on a l'icosaèdre qui correspond à l'eau et donc qui réharmonise tous les liquides dans notre corps. D'accord. Là-bas on a l'élément feu, le tétraèdre, qui lui travaille sur la sphère digestive, donc aussi la sphère émotionnelle. Et qui ramène beaucoup de lumière dans le corps. Ah, qui ramène de la lumière dans le corps, ça c'est oui. intéressant. Ouais. Chaque cellule émet des photons, c'est les travaux de David Bohm. Et donc là, le tétraèdre, c'est le feu, donc c'est la lumière. D'accord. Et donc ça régule aussi les fonctions thermiques du corps, etc. Et puis ici, on a l'octaèdre, qui lui correspond à l'élément air. Et donc va harmoniser la phase respiratoire, la sphère ORL, les sons, la perception des sons, des odeurs, etc. D'accord. En même temps, il est posé sur une pointe. Et donc, je vais dans le rond. Oui. Je me mets dedans. Oui. Il faut pas que je garde le micro. Ah oh bah tu peux. Voilà. Nous voilà. Donc à l'intérieur, avance un tout petit peu. Comme ça. Voilà, comme ça. Et face au cube. Face au cube. Voilà. D'accord. Donc le système est orienté sur les points cardinaux, le cube au nord, l'icosaèdre à l'est, le tétraèdre, le feu au sud, l'octaèdre à l'ouest et le cinquième élément au centre. Mmh. Et comme le dit Luc Besson dans son film Le cinquième élément, quand le cinquième élément est au centre, le mal se désagrège. Le mal se désagrège. Oui, c'est ce qui est dit dans le film. Ouais. Et en fait, c'est l'harmonie qui se met en place. Oh, dis donc, j'ai plein d'harmonie d'un coup. Oui. Et donc d'accord. au centre, là, le dodécaèdre, lui, il génère des spirales en double spirale qui correspondent à nos brins d'ADN et pilotées par le nombre d'or. D'accord. Donc là, tu es traversé par ce double vortex d'accord. et ça restaure tes cellules en même temps que l'aspect minéral du corps, donc l'os, le squelette, les dents, que les liquides. Dans le corps, on est 70% de liquide, donc la lymphe, le sang, le liquide céphalo-rachidien, le liquide intracellulaire, etc. Au dos, il y a le feu, le tétraèdre, qui harmonise toute la sphère digestive, parce que le tétraèdre a une particularité, c'est que c'est la forme de l'atome de carbone, donc toute la chimie organique. Et l'octaèdre ici, lui, il est mis sur sa pointe, de façon à donner les six directions et harmoniser tout ce qui se change à l'intérieur de nous par rapport à notre planète. C'est-à-dire tout le référentiel qui se met dans ton corps se met en phase avec la planète et sa position dans le cosmos. D'accord. Et donc ça, on peut l'utiliser chez nous comme ça. Comme ça. Donc il faut acheter ça. C'est ça. Un d'accord. jeu de solide de Platon. On peut l'utiliser debout comme tu es là. Et on peut aussi faire des séances allongées. À ce moment-là, on met la tête au nord. Le cube, il va être juste au-delà de la tête. Le tétraèdre au-delà des pieds. Et puis le dodécaèdre sur le milieu du sternum avec l'icosaèdre et l'octaèdre de chaque côté. D'accord. Et là, on reste 40 minutes. Cool, relax et ça travaille tout seul. C'est génial. C'est ça. Écoute, moi, je suis feignant, alors je me mets là-dedans et ça marche tout seul. Bah, écoute, merci beaucoup pour cette démo. Et on peut s'en servir. On peut, à la place de Gwénoline, on peut mettre une bouteille d'eau. Ah oui, ça c'est bien aussi. Oui, et on revitalise. Peut mettre nos aliments. Ah oui, on peut... Ouais, génial. Voilà. D'accord. Mais écoute, voilà, vous pouvez retrouver Gilbert sur le site internet, c'est Isoris. Oui, isoris.net. Isoris.net.
Voilà. Et sinon, le stand, c'est le 21. Le 21. Voilà, donc c'est en direct du Salon Zen, il y a encore 2 jours, je crois. Oui, 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 2 jours et demi, hein, il est 4h moins 5. Voilà. Bah, moi, je suis encore là demain et après-demain. On est là jusqu'à lundi soir. Voilà. Bon, gros bisous à tout le monde. Merci, bonne journée. Gilbert. Merci à toi. Ciao.